Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de Microsoft Designer et découvrir comment créer et tirer le meilleur parti de cet outil puissant. Que vous soyez un utilisateur débutant ou expérimenté, cette vidéo vous fournira des informations précieuses sur la façon d'utiliser efficacement Microsoft Designer. Alors, commençons. Avant d'entrer dans les détails, donnons un aperçu rapide de ce qu'est Microsoft Designer. Microsoft Designer est un outil de conception complet qui vous permet de créer des visuels, des présentations et des documents époustouflants pour vos médias sociaux ou bien pour votre travail. Il offre un large éventail de fonctionnalités qui peuvent vous aider à donner vie à vos idées. Démarrer avec Microsoft Designer. Comment démarrer avec Microsoft Designer? Pour commencer à utiliser Microsoft Designer, vous devez avoir accès à Microsoft 365 ou à un abonnement à Microsoft Office. Pour accéder à Microsoft Designer, il suffit de taper dans la barre de recherche Microsoft Designer et cliquer sur le premier lien qui s'affiche. Donc vous aurez juste besoin d'un compte Microsoft pour y accéder. Si vous n'avez pas de compte, alors vous devez créer un compte ou bien utiliser un autre. Donc moi je me connecte à mon compte. Une fois que vous avez ouvert Microsoft Designer, vous remarquerez une interface claire et intuitive. Sur le côté gauche, vous trouverez une variété de suggestions et de recommandations de conception basées sur le contenu avec lequel vous travaillez. Ces suggestions peuvent aller des schémas de couleurs et des choix de police aux options de mise en page et recommandations d'images. Pour tirer le meilleur parti de Microsoft Designer, il est important de comprendre comment utiliser efficacement les suggestions de conception qu'il fournit. Lorsque vous sélectionnez une suggestion, il applique automatiquement la conception recommandée à votre contenu. Cependant, vous avez la possibilité de personnaliser et d'ajuster le design en fonction de vos préférences. En plus des suggestions de conception de base, Microsoft Designer propose également des fonctionnalités avancées qui peuvent faire passer vos conceptions à un niveau supérieur. Par exemple, vous pouvez accéder à une vaste bibliothèque d'images et d'icônes pour améliorer vos visuels. Vous pouvez également expérimenter différentes options de mise en page et des animations pour créer des présentations dynamiques et engageantes. Voilà, une fois qu'on a chargé la page de Microsoft Designer, on peut soit utiliser cette fonctionnalité en décrivant le design qu'on souhaite créer ou bien en explorant les modèles. Voici mon design, j'ai fait une petite description. Voici une petite description de ce que je veux créer et le résultat est là. Le résultat est là. Donc, je vais choisir un. On prend celle-ci. Je clique sur personnaliser. Donc, ici, il y a vraiment plusieurs options. Patiente quelques minutes pour que ça charge. Donc, voici l'interface proprement dit. Là, on a des modèles. Ici, on peut importer des médias, des visuels, ajouter du texte, changer la couleur et ainsi de suite. Et là, on a différentes idées qui sont
proposé par Microsoft Designer. Et on peut changer, on peut choisir peut-être celui-ci ou bien celui-ci. Donc, c'est au choix. Donc, si un élément ne nous plaît pas, si un élément ne vous plaît pas, vous pouvez changer. On peut sélectionner par exemple cette forme et changer la couleur. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Là. Voilà. Prendre un peu celle-ci. Voilà. Changer, par exemple, de la police d'écriture. Donc, vraiment au choix. Là, dans Media, on peut importer nos fichiers, soit depuis l'appareil, depuis Google Drive, bien le téléphone. Donc, ça, c'est un modèle que j'ai importé. Et puis d'arrière-plan et tout. Lorsqu'on a une image, lorsqu'on a un média, on peut utiliser ces effets. On peut utiliser les effets qui sont proposés ici, soit supprimer l'arrière-plan ou bien effacer un élément ou bien flouter l'arrière-plan. Ajouter des filtres et ainsi de suite. Personnellement, on ne va pas utiliser ça, donc je vais le supprimer. Donc, on va ajouter du texte. Un sous-titre et là on va mettre le site web pour les commandes. Et je change la couleur en blanc. Et je peux déplacer. Je change la couleur en blanc. On va aller dans visuel maintenant et là on a des formes, des graphiques. Là on a généré, on peut générer l'image souhaitée. Par exemple, je vais générer. Thank you.
On a exploré à peu près tous les outils qu'on fournit pour ce designer. Je vous invite à parcourir toutes les options, à essayer. Comme vous l'avez vu, ça fonctionne presque de la même manière que Canva, avec des modèles, des graphiques, du texte et ainsi de suite. Vraiment très facile et très simple. Pas besoin de compétences particulières pour un graphisme ou en quoi que ce soit. Donc, on a parcouru à peu près toutes les options, les modèles, les médias, peu importe les médias, le visuel, là où on va pouvoir utiliser des formes, générer des images, utiliser des photos, des graphiques et j'en passe, du texte pour insérer du texte. Et là, une fois que vous avez fini avec votre design, vous allez dans Download ou télécharger. Là, vous pouvez télécharger un format PNG, JPEG, PDF ou bien envoyer dans votre téléphone et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo vous a fourni des informations précieuses et de l'inspiration pour vos projets de conception. Si vous avez des questions ou avez besoin d'une assistante supplémentaire, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des tutoriels plus utiles. Merci d'avoir regardé. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye.